Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec cette boîte médicale de Peppa Pig, car bébé aujourd'hui est très très malade. C'est une très jolie boîte avec Peppa en infirmière et on va aussi utiliser les accessoires médicaux de Corolle. Donc voici la trousse et aussi le stéthoscope de Corolle. Cette boîte a la même forme que la plupart des boîtes d'accessoires de Peppa. On va tout de suite l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, je vois qu'il y a vraiment pas mal d'accessoires, avec deux couleurs principales, le bleu et le rose. Donc il y a une paire de ciseaux, une seringue rétractable. C'est quand même une grosse seringue. Un petit miroir pour voir dans la bouche de bébé. Il y a aussi un grand stéthoscope. Avec le logo de Peppa dessus. Et ce stéthoscope est vraiment très très grand. On va le comparer avec celui de Corolle. Il est un peu plus grand et il n'a pas de son, contrairement à celui de Corolle. Il y a aussi cette boîte de médicaments et on peut l'ouvrir. Il y a un otoscope pour voir dans les oreilles de bébé. Ça, c'est une espèce de sparadrap ou de plâtre. Il y a une pince, un thermomètre avec des degrés Celsius de 37,5 à 39,5 d'un côté et de 37 à 40 degrés de l'autre. On va d'abord commencer par écouter les battements du cœur de bébé avec le stéthoscope de Corolle. On va l'écouter encore avec cette fois-ci le stéthoscope de Peppa. Et bébé a un rythme régulier, donc je pense que à ce niveau-là, tout va bien. Il est temps d'utiliser l'otoscope pour voir dans les oreilles de bébé. Tout va bien dans la première. On va voir l'autre. Et tout va bien dans les oreilles de bébé. Tant mieux. Par contre, comme bébé est un peu chaude, on va lui prendre sa température. D'accord, bébé, ça y est, ça va aller très très vite. Mais comme bébé n'arrête pas de pleurer, on va devoir lui mettre le thermomètre sous le bras pour avoir une température correcte. Et voyons voir. Et en fait, bébé a 39 de fièvre, donc elle est quand même un peu chaude. On va lui donner des médicaments un peu plus tard. Mais d'abord, on va regarder dans sa bouche. Sa gorge n'est pas gonflée, donc ça a l'air d'aller bien. Je me demande ce qu'elle a, pourquoi elle a une fièvre comme ça. On va voir aussi dans ses yeux. Et là aussi, tout va bien. On va maintenant lui faire des piqûres. Avec Corolle, on va lui donner du médicament. Et avec celle de Peppa, on va lui faire une prise de sang. Et on va commencer par celle de Peppa. On va d'abord retrousser sa manche et sortir sa cuisse. Voilà. Et on va utiliser la grosse seringue de Peppa sur la cuisse de bébé.
Ça y est, bébé, c'est fini. Ah, la pauvre, ça lui a fait tellement mal qu'elle en a vomi tout son lait. Il faut vite l'essuyer avant qu'elle ne s'étouffe. Voilà. Ça y est, bébé, encore une petite piqûre et après c'est fini. Voilà, ça y est, c'est fini. Ça y est, bébé, c'est promis, plus de piqûres. On va maintenant lui donner des médicaments et des vitamines. Et on va commencer d'abord par les vitamines, car bébé en a besoin après ce qu'elle vient de subir. Et maintenant, on va lui donner un petit médicament pour faire baisser sa température. Chut, je crois que bébé est en train de s'endormir. Et on ne va pas faire de bruit. Pauvre bébé, les deux piqûres qu'elle vient de subir l'ont vraiment assommée. Une fois qu'on a joué, on peut remettre tous les accessoires dans la boîte. Et on peut faire pareil avec les accessoires de Corolle. Et voilà, avec ces deux coffrets d'accessoires médicaux, un de Corolle et un de Peppa, on peut toujours soigner correctement bébé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Disney Écrit.